Du 21 au 26 novembre, le soleil des Caraïbes est venu réchauffer Suresnes grâce à Petit Coup d'œil sous Haïti. Le thème retenu pour cette 13e édition, la mode. De quoi séduire le large public venu assister à la soirée de lancement du 22 novembre à la salle des fêtes. Il y a des vrais talents créatifs dans la mode et les accessoires en Haïti, des jeunes créateurs et créatrices qui travaillent pour les grandes maisons en Italie, aux États-Unis et en Europe et en France. Et pour que tous puissent apprécier de visu ces talents, 8 créateurs haïtiens ont présenté leur travail au cours d'un défilé de mode parrainé par Mazarine Pinjot. Les caractéristiques de la mode en Haïti, c'est surtout une femme qui aime s'habiller. Je crois que c'est la femme caribéenne qui est plus proche de la mode et suit la mode intensément. En Haïti, on est dans les Caraïbes quand même, on utilise le coton, le lin, des tissus légers, doux, qui s'adaptent à notre température. J'ai choisi ces couleurs pour présenter, pour montrer aux Surinois, Surinoises, ce que Haïti a de beau. Les Surinoises et les Surinois ont pu retrouver les belles créations des artistes haïtiens à la médiathèque sous forme d'une boutique éphémère. Les plus jeunes n'ont pas été oubliés. Des ateliers de conception de vêtements de style haïtien leur étaient proposés. Chaque session se terminait par un défilé de mode virtuel.